Salut tout le monde, c'est Whoopidoz et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur un peu là alors sur Star Wars le pouvoir de la force. Alors excusez-moi, je suis crevé, il est assez tard là l'heure où je vous le fais cet épisode. Alors je vois pas bien, vous remarquerez qu'il est impossible de se déplacer tout en utilisant le pouvoir. Maintenant, utilisez le... Ouais, excellent maître. Ah oui, alors. Du coup, là, c'est un entraînement, hein, je vous dis. Voilà. Voilà, B est quitté. Et normalement, on est parti. Proxy, montre-moi la cible. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Tu chasses les Jedi. Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Et toi aussi maintenant. Allez, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas faits pour le combat. Il disposait donc de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clones avec lui quand l'ordre 66 a été donné. Et après l'ordre 66, il a disparu. Les archives officielles impériales indiquent clairement qu'il est mort. Dans ce cas, pourquoi s'expose-t-il en attaquant l'Empire? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi? 7. Parfait. Nous mettons le cap sur Nar Shaddaa. Passage en vitesse lumière. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. À vos ordres. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Charge explosive au niveau 2, 5 et 12, comme prévu. Général Kota. Le voilà. Enfin, tu sors de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12 et dites à nos hommes de se mettre en position. Oui, général. Voilà, donc lui, c'est le Jedi, un peu samouraï. Hein. Vous verrez qu'il a beaucoup de ressemblances avec le chinois aveugle de la bande-annonce de Star Wars Rogue One. Et Eclipse à Starkiller. Oula, alors attendez, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de son? Parce que là, ça sent vraiment mauvais, cette histoire. Alors pourtant, apparemment, il y a bel et bien le son. Ok, il y a eu un petit problème de jeu, ça arrive. Par contre, j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça, parce que... Et ouais, en plus c'est ça. Écoutez, allez, on est parti. Allez. Tac. Ouais, c'est bon. On y est. Je suis prêt. Alors. Vous voyez, lui, il peut déjà aller plus vite. C'est toujours ça de gagner. Très bien, mettez-vous à l'abri. Alors là, il faut que je pense. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est des trucs qu'il faut ramasser de temps en temps. Mais je sais plus c'est quoi. Ah, énergie illimitée, ça, c'est un mieux. Alors, je me souviens plus c'est quoi pour utiliser l'éclair de force. Allez, on se bouge, hop. T'as gagné, je suis en colère. Empêchez-le. À terre.
Bon, par contre, ils sont chiants d'agoniser là. Ça. Là, il y en a, vous savez, ils agonisent, je sais même pas comment ça se fait qu'on les entend. Allez, faut se dépêcher. Eh merde, il y en a encore un. On est parti. Et ouais, Bouffy. Allez, go, on est parti. Arrête où je tire. Putain, c'est la voix d'Obi-Wan. C'est Bruno Schwell. Voilà, allez go, on peut y retourner. Ah par contre je les encule. Voilà, ça c'est fait. Alors, très bien, on va aller au fond. Alors il est où l'autre? Il est là. Oh putain, il m'a eu. Alors excusez-moi, j'avais envie de débuter. Bon, vous voyez, je pense que ça... Ils sont pas fait chier sur le design des rebelles. Enfin, ils sont quand même plus fait chier que sur PS2. Sur PS2, c'était carrément l'habit des rebelles, alors que là, elle n'existe pas encore, la rébellion. Hein. Il y a juste des petits... des mouvements de rébellion. Il n'y a pas encore la rébellion, l'alliance rebelle. Alors, ça c'est fait. Il y en a encore là-bas. Ils étaient encore en train de mettre les préparatifs, s'il vous plaît. Voilà. Bon. C'était pas un vaisseau dans... Oh, alors ça c'est quoi ça? Sphère de combo de force. Mais putain, j'ai plus le pouvoir... Mais non, j'ai plus... Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas si c'est voulu. En tout cas, il est bel et bien plus là. Je parle de l'éclair de force, normalement on peut le faire dès le début, mais là, je trouve plus la touche. Voilà. C'est bon. Non, on continue de foncer. Alors oui, ils arrivent par vague. Hein. J'ai oublié ce style de jeu là, justement. Ça a un nom, mais je suis pas très bon pour retrouver les genres en jeu vidéo, je vous dis tout de suite. Ferme-la. Ils sont chiants d'agoniser comme ça, je vous jure. Voilà, là c'est un cri d'agonisement normal. Baisser la tête, pourquoi? Hop là. Alors, ouais. Ok, amélioration de force. Donc, ah oui, par contre, ouais. Ouais, on a compris, c'est bon, putain. Dommage qu'ils peuvent pas dire éclair de force. What? Toujours pas? Bon, très bien. Alors, la projection de force, on l'améliore. Déjà qu'elle me semblait déjà assez utile.
tu tombes. Voilà, là il tombe. Alors. Alors autant les ramasser. Hein. 10 000 points de force remportés. Très bien. Où sont les renforts? Voilà. Très bien. Très bien. Ça c'est fait. Ah, on a les trous du cul qui se ramènent. Donc là, allez, on y va. Sous l'ordre de Vador. Bon, lui par contre c'est chiant puisque... Alors attendez, j'attends qu'il finisse d'agoniser avant de parler, parce que je sais pas si ça pollue le son ou pas. Ça pollue le son de mon micro, ouais. Ta gueule, merci. Alors, on les bute, on les bute. Ah, très bien, ils ont oublié de mettre le bruitage. Dommage accru, merci, ça sert à quoi maintenant? Alors oui, je disais... Je disais je sais plus quoi. Fermez-la. Ah et voilà, je disais, dans la version PS2... Merci, tu te la fermes, tant mieux. Non, tu tombes pas, t'es là à côté, couillon. Je disais ouais, qu'il a plus un aspect victime. Oh putain, ouais, on a vraiment pas le son là. Je sais pas pourquoi. Ta gueule. Ah oui, parce que ça, ça les bute. Voilà, ça c'est fait. Attends, faut attendre de reprendre un peu toute notre barre de jauge. Ah ouais, voilà, vous voyez, ils disent des trucs. Lisez bien les trucs, lisez bien les... Ouais, lisez bien les commentaires, en fait, parce que les sous-titres... Là, ils disent des choses. S'il faut, je vais être dans la merde plus tard. Déjà... Oh là là. Voilà. Merci. Voilà. Évidemment, ça a servi à tout sauf à quelque chose d'aller dans cette salle. Allez. Ça m'éclate. Franchement, ça m'éclate. T'es mort. Hop. Non mais par contre dégage du passage s'il te plaît, merci. Voilà. Ok. On y est presque. Alors attendez, ouais, je vais reprendre de nouveau le truc, ça me paraît vraiment chelou. Option. Option,
On va revoir, parce que c'est vraiment chelou. J'ai... En fonction... Je pense qu'en fonction, si y a la musique ou pas, je mettrai des versions de démo. Ouais, y a rien. Putain. Donc, le jeu. Ouais. Manette, ouais. Audio vidéo, ok, ouais, y a aucune raison. C'est vraiment le jeu qui en fait casse à gueule pour le coup. Allez, on est reparti. Ah, on a la musique qui est revenue. Comme par magie. Ah, par contre, on va te faire voir. Et parce que lui, t'es pas obligé de l'affronter, lui, la première fois. Sur PS2, c'était une chure de débuter. Ok. Alors j'aime pas cet effet de tremblement de caméra. Alors c'est moi, on a plus l'objectif qui est mort. Arrêtez de faire ces bruits d'agonie, bordel! Eh, sans déconner, j'ai réellement pété un câble. Non, tu tombes pas, putain. Ah ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oh putain, quelle chure. Ah, ça aussi, c'est un beau passage. Écoutez, on va refaire le même délire. Option. Option. Bah ouais, hein, écoutez, je sais pas pourquoi, il faut que je vois après ce... qu'est-ce qui fait ça. En tout cas, une chose est sûre. C'est que c'est bien casse-couille. Alors. Et voilà, j'ai réactivé comme par magie. Je détecte un autre barrage laser entre toi et la passerelle de commandement. Localise son générateur et détruis-le. Ouais, je vous le dis parce qu'en plus les sous-titres ils sont pas vraiment. Bon, en fait, on y prête pas gaffe quoi. Allez go, on est parti. Non, part. Que dalle. Et écoutez les mecs, on y est presque. On y est. Voilà, maintenant Kota est juste au-dessus de toi. Et hop, on est parti. Mais regardez-moi ça. Je harcèle les positions impériales pendant des mois et Vador envoie un gamin pour m'affronter. Voilà. Voilà, voilà. Et là, la musique est venue. Hop là. On est parti. Alors,
Lord Vador ne t'a rien appris, tu as encore beaucoup à apprendre de la Force. Voilà, très bien. Ne m'oblige pas à faire ça. Très bien. Tu es plus fort que je le pensais. Mais ne crois pas que tu peux m'arrêter. J'enverrai descendre à Vador. Sois sans crainte. Très bien, voilà. Ouais, donc il a tout pété, hein, ce con. Si je dois te tuer pour atteindre Vador, alors soit. Ça n'arrivera pas. Ne m'oblige pas à te tuer. Ouais, moi je me cache parce que bon. Allez, je vous le dis, lui, on se fait facile. Hop. Ah putain, il m'a eu. Mais je peux voir ton avenir. Vador ne restera pas ton maître éternellement. Je vois. Moi ? Et voilà. Voilà, voilà. Alors les gens, c'est la fin de ce deuxième épisode. Je comptais pas m'en arrêter là, mais écoutez, étant donné les bugs qu'il y a eu, je vais voir sur internet si par hasard il n'y aura pas quelqu'un qui aurait eu des problèmes similaires. J'ai pas beaucoup parlé, il me semble, hein, mais en même temps, je vous le dis, je compte pas énormément parler dans ce let's play. Alors attendez, quand même, il faut que je le dise. Résumé de la mission, détruire les 5 chasseurs taille, non, laisse tomber. Point de force, on y était presque. Trouver tous les holocrons, bon ça je vous l'ai dit, je compte pas faire les objectifs bonus, hein. Moi c'est que l'objectif principal. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.